j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo assez spéciale parce que j'ai l'intention de refaire toute ma cuisine et je pense que vous avez un petit aperçu de ce que j'ai fait juste derrière moi, mais je voulais pas tout vous montrer derrière. Il manque quelques petits détails sur cette vidéo, mais vous allez voir que progressivement les choses vont évoluer et je vous expliquerai tout ça bien sûr en fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous plaira plutôt. J'ai décidé en fait de rénover ma cuisine pour lui donner un petit côté plus jeune, rajeuni, un peu plus tendance du moment, un peu plus clair. J'en pouvais plus de ce côté, de cette couleur un peu jaunie. Du coup, ça a tout été voilà, très jaune. Ça, la pièce paraissait très petite alors qu'en temps normal, en réel, on va dire, elle est beaucoup plus grande, bien carrée. Mais malheureusement, l'agencement de ma cuisine n'est pas adapté à cette cuisine, en fait, à cette forme de cuisine. C'était censé être un L et notre cuisine est un peu carrée, etc. Donc, on a essayé un peu de faire. Donc, cette cuisine, on l'a depuis 2013, comme je vous avais dit dans une de mes vidéos que je vous mettrai ici sur ma cuisine. Donc, ça fait un moment que je l'ai. Et au bout d'un moment, on en a un peu marre, on aimerait changer, etc. Mais j'avais pas envie de mettre des billes et des cents pour changer de ma cuisine. Donc du coup, je me suis dit, je vais rénover. Je vais utiliser 2-3 petites choses, je vais pas dépenser grand chose. Et ça va donner un petit changement à ma cuisine et ça va me faire du bien à moi. Et ça me redonnera envie de rester dans ma cuisine, de faire à manger, etc. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, que ça vous donnera des idées et des astuces. Vous savez qu'on s'approche du mois de Ramadan et en général, à cette période-là, on aime un peu rénover, organiser notre cuisine juste avant, ménage de printemps, etc. Comme je l'ai fait l'an dernier. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si ça vous plaît parce que franchement, on a passé tout le week-end, j'ai saoulé mon mari pour qu'on lui la fasse. Le pauvre, il a galéré avec moi, mais on a passé 2 jours du dimanche à lundi à refaire cette cuisine. On va passer du dimanche au lundi à refaire cette cuisine et je dois vous dire que je suis très satisfaite. Je suis contente du rendu même si je voulais un peu changer la disposition, je voulais plus faire autre chose. Je vous expliquerai ça, tout ça en fin de vidéo. Je vous laisse avec les travaux et je vous dis à tout à l'heure. Et je commence par vous faire un petit rappel d'image sur ma cuisine qui ressemble à ça et qui paraissait bien petite. Et pour les nouvelles qui viennent d'arriver, j'ai plein de vidéos, d'anciennes vidéos qui datent de l'an dernier où je vous montre et je vous présente ma cuisine. Donc dans un premier temps, je commence à déballer les nouveaux poignets que j'ai tout simplement commandé chez Amazon et ces papiers qui vont me permettre de rénover la façade de ma cuisine. Donc ce sont des papiers en matière, je pense, PVC, je suis pas très sûre, c'est ce qu'ils notent en fait sur le titre de l'article. Donc ce sont des papiers adhésifs à coller sur toute surface, sur tous les meubles aussi que vous souhaitez rénover. Donc si vous êtes intéressé, bien sûr, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai pris 2 rouleaux pour tout ce que j'ai fait ce jour-ci, mais il me manquait encore pas mal de surface à recouvrir. Du coup, 3 rouleaux auraient été parfaits. Donc ce sont des rouleaux à 5 mètres x 0,60 cm. Et les poignées, vous avez pas mal de poignées proposées sur Amazon. C'est souvent un lot de 10, lot de 20. Moi, je pensais que j'avais commandé un lot de 20, mais comme d'habitude, hein, je clique sur un truc et j'achète tout de suite sans faire très attention. Et j'ai regardé en fonction des mesures des fixations, en fait, des vis. Et en fait, je voulais des poignées plus épais. Malheureusement, ça n'allait pas du tout avec les dimensions de mes anciens poignets. Du coup, j'ai dû prendre les plus fins. Sachez que ça vaut beaucoup plus le coup d'acheter chez Amazon en lot plutôt qu'en magasin. On avait déjà repéré depuis pas mal de temps les poignées, etc. Ça fait un moment que je souhaitais la rénover, mais franchement, j'hésitais. Je voulais commander sur AliExpress, j'ai eu un doute, etc. Surtout au niveau du papier adhésif.
Et puis je suis tombée sur Amazon, j'ai regardé les avis, les photos de clients et ça m'a rassurée. Et je dois vous avouer que je suis plutôt contente de la qualité de la matière. Elle est très facile à laver, elle laisse pas énormément de traces en fait. On voit quand on met les doigts, on voit pas forcément tout de suite des traces de doigts, etc. Donc franchement, c'est pas mal du tout. Je vous conseille si vous avez l'occasion de vouloir rénover un meuble, parce que ça peut aller sur un meuble de cuisine comme une commode, comme un bahut de salon, etc. Et bien sûr, vous avez plusieurs coloris, ce qui est plutôt intéressant. Donc, vous avez aussi des articles pour pouvoir poser ce genre d'adhésif, ce type d'adhésif. C'est des genres de spatules et moi, nous, on a utilisé pour l'instant des équerres. Je trouve que les bulles, on arrive facilement à les enlever en fait juste avec une équerre par exemple. Et avec la spatule, ça doit être encore plus rapide. Donc c'est vrai que le plus compliqué quand on fait ce type de rénovation, ça va être les bulles, de faire très attention et les mesures aussi, éviter que ce soit de travers, etc. C'était assez stressant, mon mari était assez stressé. Mais on a finalement réussi. Une fois qu'on a fait deux portes, ça va tout seul et ça va très très vite. Bien sûr, quand on fait les travaux, c'est toujours mieux de les faire à deux et de s'entraider. Dans cette petite péripétie, et comme vous pouvez le voir, pour certaines qui vont voir l'armoire, je vous ai dit vraiment que c'était la catastrophe. J'ai besoin de réorganiser tout ça, mais avant ça, je voulais d'abord changer la cuisine pour être sûre des dispositions des meubles, parce que je savais que sur le coup, on a envie d'une certaine position des meubles. À la fin, on se retrouve toujours. Voilà, c'est autre chose. Donc je vous montre avec la vitesse normale comment ça se passe quand on dispose le papier adhésif. Donc c'est très très compliqué, faut vraiment faire attention, pour éviter de déchirer ou d'oublier une bulle ou deux. Moi j'étais vraiment en train de faire mon petit rapport, je laissais aucun détail passer. Sur ce papier en fait, je faisais vraiment très attention parce que je lui disais que vraiment à la fin on va voir, ça va être stressant, etc. Mais bon, je faisais ma petite inspection. Donc en plus d'avoir son stress à lui, je lui donnais mon stress à moi. Et comme dit, ces deux portes étaient faites et après ça allait vraiment tout seul. Il suffisait d'avoir la technique et après ça va aller. Pour les tiroirs, on a décidé de fonctionner de cette manière, donc de coller tous ensemble en premier pour éviter de faire des morceaux, de se casser la tête. On va tout coller et à la fin, il coupera les séparations, etc. au cutter. Après, comme dit, avec ces papiers adhésifs, faut vraiment être au détail, faut rien laisser passer au hasard. Le seul petit détail avec ces papiers adhésifs en blanc, ils sont légèrement transparents. Donc, en fonction de la couleur de vos meubles, je pense que l'opacité de la matière se verra en fait. Si ça sera noir
on aura la matière blanche un peu plus foncée, etc. On le voit quand on colle les tiroirs. Mais une fois posé, vous ne verrez pas réellement la différence. Donc comme dit, moi j'ai des armoires en crème. Une fois que tout est mis en place, on ne verra vraiment pas les choses qui sont à travers, vu que la matière chez moi était très claire. Et ensuite, on sépare les tiroirs avec le cutter en fait. Et après, ça va très très vite, il faudra juste enlever le surplus. Donc voilà à peu près la moitié des travaux, le résultat un peu des meubles. Ensuite, on va aussi profiter pour se mettre sur la surface de mon lave-vaisselle. Et on va commencer à mettre doucement les poignées. Donc c'était vraiment pile poil la taille des vis, c'est ce que je recherchais vraiment. Et franchement, voilà, mes poignées étaient très très usées, la matière s'effilait, c'était vraiment laid. Les poignées c'était vraiment la base, je voulais vraiment enlever vraiment ces poignées qui n'étaient pas beaux du tout, qui même au niveau de l'ergonomie en fait, il y avait le surplus de matière, etc. qui restait dessus, c'était très difficile à laver. Sur Instagram, j'ai reçu énormément de messages au sujet de ce papier qui n'est pas une crédence, mais ça je vous le dirai tout à l'heure, donc vous avez bien vu que c'était un autocollant. Et enfin, j'ai reçu le lundi les meubles que j'avais commandés chez Amazon aussi, donc c'est une barre de coin, une barre de table et deux chaises de bar. Donc vraiment les prix sont pas chers du tout, ça se vend souvent lot de deux, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Amazon et la qualité reste vraiment raisonnable pour le prix. Donc je vous rassure les filles, je suis pas sponsorisée chez Amazon, mais je suis une grande accro de Amazon, je commande énormément dessus, que ce soit des soins, du make-up, de l'alimentaire. Je commande sur ce site vraiment quand j'ai pas le temps et que je souhaite recevoir mes colis très rapidement. Donc les chaises de bar étaient très faciles à monter, il y avait juste 2-3 petites vis à fixer dessus et ensuite il y avait juste à assembler les deux pièces et c'était réglé. Et vient le moment pour nous de commencer à monter la table de bar, qui était vraiment vraiment moyennement rapidement on va dire à monter en fait. C'était les pièces à assembler qui étaient le plus compliqué étant donné qu'il y avait un petit coin étagère, donc ça rendrait le montage pas très facile et le meuble reste assez fragile quand même, donc ne pas trop forcer dessus parce que j'avais vu des commentaires sur ce meuble et j'avais dit à mon mari ne force pas pour pas craquer certains endroits dus aux avis. Et ça s'est passé très bien et finalement on n'a rien cassé et le montage a été fait au bout de 1 heure je pense. Et voilà, il suffit que moi j'assemble, je prépare déjà les vis etc. Et lui en fait il visse les coins, lui c'est plutôt la force et moi c'est plutôt le triage on va dire. Et comme on dit, l'union fait la force, du coup ça va plus simplement et plus rapidement.
Donc surtout si on trie chaque pièce, les numéros, les vis, vous allez voir, c'est vraiment plus simple à monter par la suite. Vous allez voir que cette table de bar est vraiment pratique pour pas mal d'endroits, pas mal de maisons. Je trouve que ça peut être intéressant même dans un coin bureau. Si vous voulez diviser de pièces ou autre, c'est aussi original. Il y a pas mal d'idées dans les avis de clients Amazon qui ont acheté ce produit. Donc n'hésitez pas, et moi ce qui m'a plu, c'est vraiment le petit coin étagère. Et voilà, on arrive à la fin de ces travaux. Je vous montrerai un résultat d'avant-après. J'attends vraiment vos avis et me dire si ça vous aura inspiré pour vos prochains travaux ou rénovation de n'importe quelle pièce, bien sûr, pas que de la cuisine.
Et voilà le rendu final de ma cuisine. Bien sûr, je vais tous vous expliquer en détail. Donc, j'ai acheté cette table Table bar. de bar, si vous préférez, chez Amazon, c'est une table bar qui est assez bien, que vous pouvez intégrer dans votre cuisine. Si vous avez une cuisine ouverte, elle pourra faire une petite coupure en fait entre votre cuisine et votre salon, par exemple. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette table bar, ça a été bien sûr les étagères qui sont juste ici. Moi, j'ai mis en attendant tout ça, mais plus tard, je mettrai en fait des bocaux avec du chocolat en poudre, tout ce qui est petit-déj, les céréales, etc. Je les mettrai tous ici pour qu'on ait tout en main pour prendre le petit-déjeuner, étant donné que ça va être une table surtout pour le petit-déjeuner. Donc, j'en ai profité pour mettre ma Thermomix ici, vous allez comprendre pourquoi. Donc, j'ai décoré avec ce bocal que j'ai pris de chez DM. J'ai trouvé chez DM. Vous allez être surpris. Je l'ai pris à 3,95 €. Franchement, c'est pas cher du tout. Et en allant chercher mes stores, j'ai trouvé ce vase avec les fleurs. Et je le trouve trop joli. Je pensais qu'il était chez Babou. Mais j'étais contente de le trouver là-bas finalement parce que je voulais depuis longtemps l'acheter. Ensuite, j'ai acheté pareil chez Amazon ces tabourets de bar. Ils sont trop trop bien, trop confortables. Le seul hic, j'aurais pas dû acheter en fait ceux avec les remontées comme ça. Du coup, ça prend trop de place et pour les rentrer, c'est un peu plus compliqué. Du coup, il faut que je descende un et j'en mets un en haut et les deux rentrent sous la table. C'est vraiment dommage, mais pourtant, ils sont tellement beaux. Ils sont en simili-cuir, mais je les trouve vraiment pas mal du tout. Donc, j'espère que voilà, que mes enfants ne les abîmeront pas trop. C'est pour ça que j'ai pris le côté noir là où ils sont assis parce que je sais qu'en général, ils vont s'asseoir souvent dessus. Donc la tour, vous savez qu'elle était ici. Et en fait, pour vous expliquer, je voulais cette tour pour la mettre là. Je voulais faire un U, comme ça je peux ranger, nettoyer, faire à manger ici. Mais finalement, le rendu était pas beau du tout. Donc on a décidé de mettre la tour ici, dans le coin, et à côté, la table bar. Et je trouve le rendu super bien. Ensuite, pour embellir mes cuisines, comme vous avez vu, j'ai mis ces fameux papiers qui sont super beaux, pareil sur Amazon. J'ai trop aimé et les poignées, pareil, viennent de chez Amazon, ce que je vous avais expliqué. Et donc, il manque un rouleau qu'on va ensuite mettre tout ce côté-là en blanc, comme on a fait, on va dire, ici, ces deux côtés, pour donner le côté plus rajeuni. Alors, on hésite à recouvrir ces coins-là ou pas, parce que on a vraiment hésité à laisser, en fait, le rebord en bois pour faire un petit rappel. Donc sachez qu'il me manque un poignet Un encore ici. poignet là, c'est tout. Et voilà, donc le rendu. Ensuite, j'ai acheté des stores. Et ça, j'aime trop en fait ce côté-là où vous pourrez remettre les stores pour laisser la lumière rentrer dans la pièce. Et puis plus tard, que dans la journée, vous tirez un petit peu et vous laissez la lumière entrer. Du coup, là, j'ai même pas besoin de fermer les volets. Personne ne me voit de l'extérieur. Et ça, je suis super contente. Et même quand je ferai des vidéos, ça évite que les gens voient ce qui se passe dehors où j'habite, etc. J'ai aussi pensé à ça parce que les rideaux étaient pas pratiques. Donc, je pense à toutes les abonnées qui m'ont dit depuis longtemps de mettre des stores que je trouvais pas les tailles. Et du coup, j'ai mesuré cette fois-ci, j'ai fait attention. Donc, merci à celles qui me conseillaient depuis longtemps pour les stores. Donc voilà, je les ai mis enfin et vous avez raison, le rendu est bien plus joli. Ça rend la pièce beaucoup plus claire, surtout en blanc. J'hésitais entre le blanc et le noir, mais franchement, le blanc est aussi très très joli. Et donc, comme j'aurai un rouleau de papier pour recouvrir les meubles en PVC, je vais aussi recouvrir ce rebord pour mettre de la déco et aussi pour mieux nettoyer le rebord. Soit je vais le mettre en comme ça, ou soit en marbré pour faire ce rappel de ce coin. Alors on m'a demandé sur Instagram d'où vient cette crédence, qui n'est pas une crédence, c'est tout simplement un autocollant que j'ai acheté sur Amazon. Le problème, c'est que je l'ai acheté il y a très longtemps. Et en fait, il est très épais, il est super bien. Et moi, je me suis dit, c'est surtout pour protéger le mur. Donc, le fait qu'il date il y a très longtemps, il a fait quelques bulles, il était un peu froissé. Du coup, c'était très compliqué à le mettre. C'est vraiment dommage. Mais je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je trouve ça bien. Vous pouvez le mettre sur le carrelage, sur la crédence. J'ai vu des photos juste magnifiques. Et je trouve que ça donne un super rendu. Et pour le nettoyage, ça va être beaucoup plus simple. Donc voilà, et du coup je suis assez contente de moi. Vous voyez, on est dans le coin, on est dans notre cuisine et tout est clair. Bien sûr, je n'ai pas encore réorganisé les armoires.
Je n'ai pas encore réorganisé, fait un tri. Et ça viendra plus tard. Je trouve que c'est mieux de séparer plusieurs vidéos, sinon ça va être trop long. Du coup, la prochaine étape, ça va être de réorganiser les armoires. Vous voyez ici qu'on voit encore le bas en bois. Et aussi, pareil, je compte les recouvrir avec le papier en PVC blanc laqué. Donc, il est très irisé, sachez-le, on a un effet pailleté. Ils sont faciles à nettoyer. Donc, moi j'aime beaucoup ce rendu finalement. Vous avez plusieurs coloris si ça vous intéresse. Donc voilà, il ne faut pas hésiter quand on a envie de changer. Il ne faut pas avoir de doute. Ça fait toujours du bien. Et franchement, je suis trop contente. Si je suis contente comme ça, c'est que je n'ai pas fait n'importe quoi. Donc voilà, j'attends vos commentaires, j'attends vos avis. Et j'attends bien sûr vos pouces bleus et vos retours. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo aux personnes qui souhaitent changer leur cuisine et qui n'ont pas forcément le revenu pour changer totalement leur cuisine. Ça leur donnera peut-être une idée pour avoir une nouvelle cuisine avec leurs anciens meubles, tout simplement. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous dis à très très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao!